Hey hey hey, salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de Crooks Big Heist, la suite de la mission où Rocket nous emmène chez son ex et sous un petit bungalow bien pourrave se trouve une super méga base de la mort comme vous pouvez voir sous vos yeux. Alors c'était pas dans le speech, hein, on savait pas trop, enfin je pense que c'est parce qu'elle ne le savait pas ce qu'il y avait en dessous, donc voilà, c'est pour ça que j'ai coupé en deux épisodes. Par contre j'ai merdé les mecs. J'ai merdé les gars, j'ai voulu faire une pause et tout et j'ai mis ce clic en fait, j'ai tapé sur rejouer le casse. Je sais pas ce que j'ai foutu et donc j'ai dû refaire les deux autres niveaux avant d'arriver là. Donc forcément mon temps est peut-être mieux parce que j'ai vraiment été rapide vu que je savais ce qu'il fallait faire. Ma jauge de danger est nulle parce que finalement je n'ai pas eu à contrôler le mec, à le faire déplacer. Je m'en excuse, c'est... je sais pas, voilà, bon. Alors, j'aurais pu aussi profiter pour aller choper des éléments en plus, hein, mais je n'ai pas fait. Donc, on est au niveau 0 ici. Voilà. Donc, maintenant, il y a tout ça à faire. Je sais même pas par quoi commencer. Il y a beaucoup de choses. Y a tous les trucs, les faisceaux verts, il faut y aller. Et là, la sortie... là, il y a un objet étrange à récupérer. Il y a énormément de trucs à faire, donc ça va être un peu long, je pense. En tout cas, désolée d'avoir merdé. Et enfin, en tout cas, mon score ne sera pas le même. Mais j'ai à peu près fait la même chose, sauf que j'ai pas eu à déplacer l'autre garde. Et j'ai pas voulu refaire parce que je savais pas si ça allait être pire que mieux. Donc j'ai fait mieux en espérant que vous ne m'en vouliez pas. Et je suis désolée. Voilà. Alors, je vais revoir ce que ça donne. Je vais réfléchir un peu pour ce niveau. Parce que ça a l'air compliqué. Et je vous retrouve après. Bon, bah on va commencer doucement. On va faire prendre à machin ça. Et on va ouvrir les portes. C'est déjà pas mal. Tu veux? Là, il n'y a pas de garde qui vient. Tu pourras actionner ça. Ou désactionner ça. Ah, un chloroforme. C'était le premier. What? C'était quoi ça? Moi qui pensais que les réjouissances étaient finies. Toi, tu viens chercher un petit chloro. Je sais, il a peut-être pas forcément besoin, lui, mais... Oui, j'ai des choses, des fois, je ne réfléchis pas à ce que je fais. Ça, c'est fait. Alors, on a deux gardes. Ok, ouais, parce que lui, il faut récupérer une clé, donc c'est lui qui va récupérer la clé. Après, il y a quelque chose à désactiver ici. Désactive quoi? Ah, la caméra là, d'accord. Il y a tout un merdier ici aussi. Donc je pense que de toute façon, lui, il faudrait qu'on le calme, le mec. Donc je vais le laisser faire. Est-ce que tu auras le temps? Je suis pas sûre qu'il ait le temps de crocheter. Non. Non, il aura pas le temps. Viens là. Ok. Il y a la pression qui commence à monter. Lui, il fait quoi? Il s'en va par là? Parce que elle peut passer... Je suis pas sûre. Vaut peut-être mieux qu'il passe par là. Ouais, on va faire ça. Eh ben c'est assez rapide. Mais non, t'as ouvert la porte. Mais non, mais passe pas par là. C'est trop tard. Bon, hey, conne. Elle passe par là alors que... Ok. Ça, ouais, donc ça a ouvert la porte.
Il est retourné là. Je vais... Venez là parce que ça me fait peur qu'il y ait un truc d'ouvert. Ouais. Je sais pas, Là, la porte, elle est fermée de toute façon, donc il y a moyen. Toi, tu vas attendre là. Faut qu'on décrochette là. C'est bon, hein, l'autre, il a rien vu. Hein. Et la porte ouverte, mais... Dès que lui est parti, on va essayer de recrocheter ici. Et quoi particulier, moi, je veux dire. Quelle belle moquette, dis donc. Je n'avais point capté. Je sais pas s'il aura le temps. Je suis pas sûre. Hein. Oh putain. Non, mais planque-toi. Reste pas comme un débile. C'est bon. Ah. Je vous jure, c'est un stress. Pour l'instant, on est bien. Et par contre, je sais pas ce que c'est ce truc là avec tous les crochets. Je sais pas. J'ai pas vu où c'était, mais bon. Comme il y a toute une grosse partie d'ombre là, c'est peut-être là-dedans. Je n'ai aucune idée. C'est pas ce truc là? Non. Il y a un pied de biche. Il y a des sous. Ça, c'est un mec qu'on va devoir assommer. Ok, bon, alors, où on est, où, que fait-on après? Je pense qu'il va falloir assommer les deux mecs. Mais on fait ça dans quel sens? Ça, c'est la question. Parce que là, on en a encore un. C'est dans ce sens-là. On a lui. Là, il y a ça. On s'en fout. Ça, c'est ouvert déjà. Je sais pas. Donc ça, par contre, ce serait intéressant. Ça aussi. Et là, on a... Ça, terminal. Terminal pour... Ah oui, une caméra qui est ici. Sur le lit. Bon, d'accord. On a ça... Ah, qui ouvre deux portes là. Et qui c'est un truc, il faut y aller. Ah oui, donc oui, il faut y aller. Et terminal de caméra. Donc ouais, en fait, on va peut-être aller là avant. Rufus ! Ça va barder. Ouais. Tu vas devoir... on va l'attendre... Là. Ah merde! Je vais l'attendre là. Et dès qu'il sort, tu le chopes. Voilà. La jauge de danger. Quoi, le topo? Tu peux l'ouvrir ça? Mais oui, il peut. À toi de voir. En avant. Alors. Je suis prêt. Je suis là. Je veux. On va désactiver tout ce merdier là. C'est quoi ce bruit? Ah! Cool, on va pouvoir désactiver. Ouais. Tu vas désactiver ça du coup. Toi, si tu vas là-dessus, ça fait quoi? Ça ouvre là, ça ouvre la chambre et il y a caméra. On peut rentrer sans se faire repérer pour désactiver ça. Qui, je sais pas quoi.
Mais là, ils peuvent pas passer. Ah si, ouvert. Bon, va faire ton truc, toi. Tu vas re... Et maintenant. Attendez. Tu vas... Ça c'est fait. Oh putain. J'ai l'impression de faire tellement de trucs en même temps. Viens. Là on est bon, on peut y aller là. Ah merde. Et t'as fermé. Bah tout à l'heure ça me mettait ouvert. Là elle doit sortir, c'est ça? Attendez. Ouais, ok. Donc elle doit bouger. Là, ça s'ouvre. Oh, le mec, j'avais oublié. Toi, vas-y, ressomme-le un coup. Au travail. Non, vas-y. Y a rien de suspect. Non, c'est bon, il verra pas rentrer. Oh, il y a une petite... Vas-y, tu vas prendre ta petite pilule. On a une petite pilule pour toi. C'est cadeau. Merde. Alors, je sais que j'avais pris une fourche Tesla quand j'ai joué là. Et là, je l'ai plus. Il me semble que je l'avais pas utilisée à ma première partie, qui est donc a été que j'ai refaite. Et ben là, j'en ai pas de fourche Tesla. Non, je peux pas. Si, là, il faut qu'elle re. Ouais. Ouais, pour l'instant on te demande juste d'aller là. Ah putain! Voilà, c'est bon. Ok, oh, on est en pause. Une serrure accrochetée? Une serrure accrochetée? Tu viens là? Ah oui, ça a éliminé deux. Ok, alors de deux choses, une, tu vas désactiver ça. Je sais pas ce que ça fait. Mais c'est encore un truc qu'on a vu? Je ne sais pas. Je sais pas ce que ça active ou désactive. Là, il y a la caméra, mais il y a un chloroforme, il y a une pilule, il y a un chalumeau. Putain, mais le mec, il a mis des projecteurs. Oh, un peu pervers. Le truc de caméra, c'est Rufus qui l'a, le brouilleur de caméra. Mais le chalumeau... Alors ouais, il y a deux coffres là. Et il y a un terminal. Oh, putain. Il faudrait désactiver. Ouais, il faudrait le brouilleur de caméra, mais c'est Rufus qui l'a. Shot. Je vous retrouve après. Ok. C'est bon. On va venir s'occuper de ce coin ici. Il y a plusieurs trucs à faire. On va devoir maîtriser le mec. Donc j'ai mis Bishop pour qu'il se planque là. Parce que ici ça me paraît un peu compliqué d'y arriver. Même s'il y a deux gros coffres. Pour l'instant ça va pas être possible. Le brouilleur de caméra, faudrait qu'il y en ait deux en fait. Et j'en ai qu'un. Sauf que je sais pas si ça c'est bon ou pas. Fermé. Ah non, c'est bon. Bah viens là. Non. Ouais, si. Tu peux aller là. En fait, c'est ouvert quand elle est pas dessus. Super, vas-y. Ça va barder. Allez, ça m'enregistre là. Lui. Ok. En plus, je suis con parce que dans cette salle-là, Rocket, elle aurait pu aller venir ici désactiver ce truc-là. Mais bon, hein, on sait pas. C'est pas grave. J'y suis arrivée. Allez.
parce que même un bout de chemise, ils peuvent le voir ici. Donc, on va s'occuper de toi. Rufus va venir s'occuper de toi. Il va venir là. En avant. En fait, il n'y a que Rufus qui peut actionner ici par la force brute. Et on n'a plus de lubrifiant, donc on est obligé de... Bon, meuf, tu peux aller déjà là. Attends. Mets-toi là. Merde, c'est vrai, j'ai oublié qu'il stationnait. C'est pas grave. Et maintenant... Attention. Hey, vous! Je vais y arriver, à chaque fois je... Voilà. Il le maîtrise. Tu peux venir là. Ouais. Toi, tu peux l'actionner. Mais non. Tu peux... Non, non, vas-y. Vous allez voir comme je suis. Toi, tu vas faire ça. Ah merde! Attendez, j'ai pas compris. Ok, c'est bon, j'ai pigé. Mais faudrait que tu bouges de là. Sinon, on récupère pas Bishop. Et Bishop, il a pas avancé. Ça va barder. Voilà. Sinon, c'est pas drôle, Bishop. Ben non, mais je fais que du caca. Avant. Tu revas... Oui. Bishop. J'attends. Oh oui, ça, à la limite, on s'en fout. Mais est-ce qu'il y a que elle qui peut passer là? Donc, Ah, chalumeau, carrément. Ah non, c'est avec elle. Parce que tu vas t'occuper de toutes les portes. Toi, tu n'hésites pas à lui en remettre des coups. Hein. On n'a pas besoin de lui. Et on va passer ensuite à ici. Tous ensemble, tous ensemble. Ouais. Alors, il a ouvert toutes les portes. On est OP. Il va venir, lui, maintenant, là-dessus. Oui. Parce que elle va passer par là. Donc, toi, tu vas par là, par contre. Vous échangez vos places. Et maintenant. Toi, tu n'hésites pas à nous l'étourdir un peu plus longtemps, le temps que... Ah, et ça se désactive... Non, c'est bon. C'est juste la porte. Hop. Mais c'est débile. Ou alors ça veut dire que dès que lui il bouge... Ça veut dire que dès que lui il bouge ça s'ouvre. Mais bon, ça reste débile aussi parce qu'on en a pas besoin. Ouais, c'est ça. Ok. Mais bon, dans l'immédiat, Roquette. Je veux. T'as un pied de biche ici. T'as une clé ici. Ouvre une porte de sécurité. Ils ont tous un inventaire plein. Tu dois faire quoi? Tu vas activer ça. Déjà. Je sais pas trop ce que ça active. Ah bah. Ça désactive encore un truc. C'est ce truc là. Alors, on en a enclenché autant, il nous en reste 3. Ah d'accord, il faudra rentrer là pour voir tout ce qu'il y a ici, c'est ça? Oh là là. Ah mais on peut passer par la piscine. D'accord, ok. Ouais mais ça veut dire repasser ici, remaîtriser le mec. Mais non! Il y a une porte là. Ah, attendez, il y a deux portes. Il y a là. Ah oui, d'accord. Ah oui. Donc en fait, on peut déjà rentrer...
Là. Bon, bien sûr, c'est fermé. Ah, un petit passe-muraille. Tu peux faire ça là. Je vais venir là. Donc on aurait besoin de Rufus, peut-être. Garde rapide, marche et cours très vite. Il est possible de l'étourdir de diverses manières. Et si regarde. Ah putain, et on n'a pas de fourche-tête là. Bon, n'empêche, on en a pas besoin. Mais il faudra quand même aller là pour interrupteur. Ah, puis il y a des sous ici. Donc on peut l'étourdir. Ah, il y a un aimant à vidéo. Bah, tu peux aller choper. Est-ce que c'est plus intéressant un aimant à vidéo? Ouais, je dirais oui. Pendant que le mec... Il faut qu'elle fasse gaffe, sinon elle va se faire voir par le truc de la porte, parce que monsieur est sûrement un devin. Ah, mais elle peut passer par là. Non, 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 non. Tu peux passer par là. C'est pas ça que je veux faire. Ouais, dis pas que tu sais plus le faire, meuf. Ou alors faut que la porte soit fermée. Ouais. C'est quoi le topo? Tu peux te remettre dessus, s'il te plaît. J'ai l'impression que... En avant. Pourquoi elle sait plus y aller? C'est une blague ou quoi? Mais elle peut plus y aller dans le truc? J'ai pas compris là. Il y a un truc que j'ai pas pigé. Pourquoi elle peut plus passer là? Donc je suis obligée de péter le... J'ai besoin de juste ça. Bon, il y avait bien ça, mais c'est pas très très grave. Voilà, ça aussi quoi. Je comprends pas puisque elle peut plus passer. Boa constrictor, mais elle l'a le boa constrictor. Ah non, pardon. Mais d'accord, j'ai compris. Elle peut pas le faire, elle a pas encore acquis la compétence. Non, parce qu'en fait, comme elle passait par les aérations basses, je pensais qu'elle passait par les aérations hautes. Je pensais pas qu'il y avait un schmilblick. Ouais, ça empêche pas que je peux pas désactiver ça en fait. Mais Rufus, est-ce que si. Ouais, mais si je les fais tous passer là, est-ce que c'est bon? Parce qu'après, ça sert à rien si. En fait, je vous explique dans ma pensée. Si je les fais tous passer ici, lui il a le destructeur de capteurs. Donc ils vont pouvoir passer tous ici. Là, il va péter le mur, il va maîtriser le mec, on va désactiver ça. C'est bien. Dans un sens. Mais on pourra quand même pas rentrer là. On sera un peu bloqué parce qu'en plus ça il se désactive pas. Donc ça sert à rien. Elle a que le chalumeau, elle a pas la dynamite. Elle peut rien faire. Bon bah je vais réfléchir et je retrouve après comme d'habitude. Alors après une pause un peu méritée. Alors, il va falloir vraiment que Rufus aille ici. Voilà. Mais il va falloir que je planque Bishop. Que je replanque Bishop, par exemple, dans l'ascenseur. C'est obligatoire. Lui, il va faire ça. Ça, la porte est ouverte. Elle, elle va pouvoir y aller.
Enfin, j'ai... Après, je sais pas trop hein, ce que je dois faire. Parce qu'en fait, il sera obligé de maîtriser le mec. Il peut être maîtrisé, mais... Voilà quoi. Parce qu'on est obligé d'éteindre les trucs. Lui, il va juste un peu surveiller ici. Bishop, il est à l'abri. Bishop, il est à l'abri. Et en fait, il faudrait qu'il aille ici. Je sais pas s'il va avoir le temps. Si, c'est bon. Ok. Au moins une chose de faite. Ah bah lui il revient. Ouais. C'est un peu trop de front. Mais il va se voir, il va le voir de toute façon. Donc là, je peux plus trop faire. La jauge de danger va augmenter. Mais la cocotte, elle a un aimant. Oh, mais ça m'énerve. Il y a des fois... On bouge plus. J'attends. Mais meuf, viens là. Mais non. J'ai dû rêver. Ouais, pour l'instant notre jauge de danger. Cléopâtre me manque. Ça c'est bon, c'est ouvert. Et il nous reste combien? Il nous en reste deux à déclencher. Ça c'est l'Obkovitz. Je peux rien faire, j'ai pas ce qu'il faut. Pas ce qu'il faut. Elle peut pas, elle peut rien faire. Par contre, elle peut prendre la thune. J'avais pas vu. J'avais pas vu la thunasse. Hey, bah, viens prendre. Ah non, tu peux pas prendre le pit biche. Merde. Parce que y a un coffre ici à choper et je m'étais dit tant qu'à faire. Mais le pit biche, tu pourras pas le prendre. Il y a que lui à la limite qui peut le prendre et forcer le truc, mais. Que tu peux le cogner. Prendre le pied de biche. Je suis arrivé. Vas-y. Ouais. Ok, il aime ça. Hein. On fait quoi maintenant ? Vas-y, va chercher le pied de biche. Parce que j'ai l'impression qu'il se réveille vachement plus vite. Salut ? Voilà. Je crois pas, non ? Non, mais t'es con. J'ai du mal à diriger. Tu peux retourner l'assommer avant qu'il se réveille. Au moins, on aura au moins ce mérite là. Oh là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Tout juste. Et hop, tu peux. Ouais. Ok. J'avais oublié lui. Oh putain. Elle est pile planquée. Oh la vache. Waouh. Je vous jure, j'avais complètement oublié que lui, il allait jusqu'ici quoi. Et en fait, il a détruit. Donc j'ai foutu Bishop de l'autre côté un peu pour rien. C'est pas grave, c'est pas grave. On va y arriver. Donc, gars,
Tu vas venir là? Non, tu vas pas activer. Non, je voulais que tu te planques. Mais comme lui, il va se réveiller, il va aller un peu fureter partout, faudrait que tu sois bien planqué. La meilleure chose, c'est de se planquer là. Je pense. Bon. J'ai envoyé Bishop, Bishop et donc, il est où? Il est là. Bishop, il est là. Ah bah l'autre, il va... Parfait. Parce que, il y a... non, il y a une chose qui... Attendez. Là. Au travail. Toi, tu vas pouvoir sortir dès maintenant. Oh, il nous en reste plus qu'un. Et là, c'est bon. Normalement, il ne se fait pas choper. Je vais le remettre ici. Vas-y, ferme la porte. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il nous en reste plus qu'un seul à enclencher. Alors, il est où? Non, dis pas que c'est celui-là. Attendez, là, non, c'est pas possible. Il peut pas être aussi loin. Si, c'est celui-là. Bah, c'est cool. Ah, bah, ça, c'est cool. Dis donc, comment on y va? Ah oui, il faut retraverser tout ça. Tout ici. La porte est... D'accord, il faut que quelqu'un se mette là. Ah putain, il faut se dire qu'il faut que je fasse venir Bishop. Parce que Rufus... Quoique... Ce Rufus, il pourrait... Ah non, voilà. On peut pas. Mais pas au point de fer. Donc de toute façon on peut pas l'assommer celui-là. Donc il va falloir ruser. C'est elle qui va venir. Il faudrait déclencher ça. Parce qu'elle, elle peut à la limite passer là. Après il faut jouer à cache-cache avec lui pour aller là. Mais il faut maîtriser lui. Et Bishop, Bishop, Bishop. Moi je le laisse là où il est. Non, j'ai besoin de quelqu'un qui stationne ici. Pendant que Rufus maîtrise le garde là. Parce qu'il y a quelqu'un qui doit rester là, il faut que lui aussi soit assommé. Donc il n'y a que elle qui va pouvoir passer ça et aller déclencher. On va faire ça comme ça. Alors, t'en en es où ton tour de garde? Tu vas venir. Dès qu'il est parti... Tu fonces. Je vais lui faire prendre... Il était où d'ailleurs? Ah merde, je l'ai même pas vu qu'il avait surveillé là-bas. J'allais dire, il faudrait qu'il prenne sa pilule, mais... Attention parce que les derrière les portes, des fois, ils voient des trucs dans les entre la porte et le mur. Les mecs, ils arrivent à voir des choses. Hein. Alors, on va faire revenir Rufus. C'est bon, lui, il le voit pas. On va attendre que lui... Là, il voit pas. Je veux. Donc toi, tu vas venir là. Il est où, Bishop? Je l'ai oublié, Bishop. Je suis prêt. Ah, t'es là. Eh, salut, vous êtes de nouveau réunis, les gars. Ouh, lololol.
je prépare Rufus. Parce qu'en plus, comme je me gourre à chaque fois. Coucou, tu veux voir ma bite? Ah, punaise. Prêt à en découdre? Oui. Mais non, j'avais dit... Salut. C'est toi. Non, non, toi, tu vas juste te positionner là. Toi, tu vas venir là. Mon petit Rufus. Ouais. Non, mais... Laisse-moi le temps de sélectionner. Ok. Oh, d'accord, j'ai compris. Voilà. Je veux. Donc, cocotte. Ah non, et là, ça va me dire Rufus. J'ai pas de lubrifiant. Bon, c'est pas grave. C'est pour ça que je l'ai envoyé elle. Puisque elle va... Mais si, tu peux... Là. Là, il va falloir la concentration. Ok. Là, on est bien. Dès qu'il a passé le coin. Ah. Oh. Oh la vache. Oh la vache. Son laboratoire secret. Ah, on va le voir. On va voir son ex. Alors maintenant, toi, t'as ton truc qui est full, de toute façon, donc... mission, je pars. Attends. On a réussi, les mecs. On a réussi. Ça, c'était le hors-d'œuvre. Hein. Voilà. Actionner, nanana. Fuir par l'ascenseur. Le niveau secret. Mais il faut quand même... Oui, bah, de toute façon, on est obligé d'y aller. Oui. Ouais. Ouais. Attendez. Ouais, il faut... Oh là là. Oh oui, un joli petit labyrinthe, dis donc, des familles. Alors, il faut aller là. Il faut aller là. Bon, ça, on désactive je sais pas quoi, là. Tac, tac. On désactive un, on en active un autre. Ou on désactive... Oh là là. Ça va être... Ça va être la fête. On va là, là. Soit on peut partir directement là. Oh putain, mais c'est... Il y a vachement de barrières optiques. Oh putain, ça va être casse-tête. Mais casse-tête chinois, japonais et tout ce qui... Ah, il faut aller là. En fait, il faut aller dans chaque coin. Genre, par exemple, il faut aller là. Déjà pour ouvrir les portes et tout, machin. Ah, s'il faut aller là pour ouvrir les portes. Donc il va falloir se taper tout ça. Oh là là, ça va être compliqué. Mais bon, est-ce que c'est pas plus simple ici? J'en sais rien. Il y a tellement d'interrupteurs que là, Et puis là, c'est fermé, il faut l'activer là. Ouais, mais... Ouais, bah non, finalement. Hein, on va rentrer par là où on est le plus proche. Parce que ça me paraît un peu moins taré. Bah c'est pas mal, hein. Bon, alors je vais réfléchir à tout ce merdier. Je vais réunir mon équipe au même endroit. Bah ils y sont de toute façon, donc c'est cool. Ils vont pouvoir aller tous ici.
dans la joie et la bonne humeur. Y a pas un mur fissuré là, on pourrait aller là directement. Non, bon, alors, on va aller tous au même endroit. Ouais. On va aller tous au même endroit. Et Bishop aussi. Go, les enfants. Mais si, t'inquiète, vas-y. Alors, les enfants, rendez-vous là. Au travail. Là. En avant. Et là. C'est pas beau la vie? C'est pas beau ça? C'est pas beau? Première étape, une clé de coffre-fort. Oui, il y a un coffre-fort juste ici. Mais bon, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Ça. Ouf. Ça, ça active beaucoup de choses. Oh là la vache. Bon, on va y aller, hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Je suis prêt. Tiens, tu vas faire ça. Oui. Pendant que elle va faire ça. Ouais. Ok. Alors, ça a fait quoi en fait? Elle ça a juste enlevé celui-là pour mettre celui-là. Et toi, ça a dû faire la même chose, mais. Je sais même plus. Il est là. Vas-y. Ouais, ok. Là, il y en a 3. Et il n'y en a plus que 2. Bon. On en a un destructeur ici. J'en ai plus de destructeurs donc. Pour l'instant, ils peuvent tous avancer. Là. Elle a le boa constrictor. Non, pas encore, mais. Voilà. Ça. C'est encore un jeu de chassé croisé. D'accord. Ouais. Et quand il parlait de labyrinthe, c'était bien ça. Ah, il y a un destructeur ici. Ça peut être pas mal. Parce que si notre but, c'est d'aller ici... Lui, il doit être gros. Ouais. Lent et faible, pardon. Pas gros. Juste lent et faible. Notre but, c'est donc d'aller là. Donc, c'est de faire comme ça. Là, c'est la sortie. Mais de toute façon, on est obligé d'aller ici. Parce que sinon, on sort pas. Et il y a plusieurs trucs. Terminal de caméra. Il faudra quand même le maîtriser celui-là, sinon on pourra jamais désactiver. Là, on n'a pas de caméra, donc on est bien, mais justement, juste après. Là, j'ai un destructeur. J'ai lui qui est un destructeur de caméra. Qui pourrait. Pour qu'on soit free ici. Mais alors, si on est free ici, on peut aller ici. Et même carrément aller agresser lui. Et là on détruit plusieurs caméras, mais celle-là. Ouais, mais on sera passé ici donc après, si on est là. Après c'est plus simple. Donc finalement on peut pas aller là tout de suite. À cause des caméras. Je refais. C'est quoi le topo? Le topo, c'est que vous alliez là. Ça va barder. Je pense. J'ai dû rêver. Là, avec le faisceau qui est ici, ils sont pas en danger. Elle. Vous allez voir comme je suis souple. Tu vas réactiver. Voilà. Ils peuvent même aller là.
Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ici. On a un destructeur qui est là. Et la caméra ne le chope pas. Et maintenant ? Ouais, tu peux aller là. Une serrure accrochetée ? Sauf que j'ai l'impression que t'es vachement prêt. Ouais. Je veux. Tu réactives ? C'est bon. Là, on est free. Tu peux venir là. C'est trop bien, hein. Les talents qu'ils ont tous, je trouve ça vraiment parfait, quoi. Alors, maintenant que tu es là, on peut donc, j'avais dit, détruire ça. Pendant 30 secondes, ça nous permet... d'aller faire joujou avec ça, mais ouais, mais... la caméra, elle est là, hein. Donc il faut, faut aller ici. Et à Jean-Claude, Jean-Claude, il bouge pas de son truc. En fait, le but, c'est d'aller ici. Et là. C'est quoi, le topo ? Oui. Alors. Vu qu'il va falloir maîtriser lui, toi, tu vas y aller tout de suite. Toi, tu vas aller désactiver ça. En avant. Je réfléchis, hein. C'est ce que ça désactive plusieurs caméras, donc... Et toi, meuf, je sais pas... Tu vas venir là. On bouge plus. Waouh. J'attends. Oui. Ça, on est bien. Il nous reste combien de temps? Il faut désactiver ici. Elle va reprendre. Hein. Donc, Rufus. Ouais, ben Rufus, on va avoir. Il y a un mur fendillé ici. Faudrait que tu viennes là. Je suis prêt. Et Bishop aussi. Mais genre, immédiatement, tout de suite, quoi. Dépêche-toi! Arrête! Oh là 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 là. Ouais, c'est bon. Je vous jure, des fois, c'est stress. Alors, j'ai pas suivi. Tu peux me le refaire un coup? Ouais, mais... ouais, non, mais c'est pas très grave. Toi, tu vas aller. Alors non, tu vas venir là. Au travail. Lui il se réveille, mais elle, faudrait peut-être que je la planque. Non, ça va, il reste dans son coin. Ça va barder. Ouais. Oui. C'est vraiment le au chat et la souris, hein. C'est quoi le topo ? Voilà, lui, il est free. Parce que... est-ce que... je me demande s'il faut... ah non. Il va se faire choper. Non ! J'adore ce jeu, putain. Ils me font tellement rire, c'est tellement con.
Bah, j'aurais pu faire aller elle en fait, et j'aurais pas perdu de temps, mais bon. Va pas faire ton bonhomme, gars. Ok, on a bien avancé. Ouais. Tu sais quoi, tu vas prendre ça. Parce que t'es le seul qui... On sait jamais. Oh, sa mère. Il avait bougé d'itinéraire. J'avais pas vu. Bon, vous voyez que maintenant... On est free. Merde. J'ai raté un truc. Ah ben non. On est free au niveau caméra. On a... Attendez, hein, je regarde bien. On a plus du tout de caméra d'allumée. Donc ça, c'est nickel. On va pouvoir bouger tranquillou, bilou. Ça, c'est juste là. On s'en fout dans un certain sens parce que c'était pour rentrer, je pense. On a un petit destructeur aussi ici. Bah écoute, tu vas aller le chercher. Parce qu'il n'y a que toi qui peut. Je suis prêt. Ouais. Et on va aller tout doucement, mais sûrement. Je veux. Ça va barder. On a deux destructeurs. Salut. Viens ici. Bref, tu vas faire avancer tes potes. Voilà. Et maintenant ? Oui. Parce que quand il en restera que deux, là il y en a trois, je lui ferai utiliser. Vous allez voir comme je suis. Parce qu'il va falloir maîtriser le mec. Oh, oh putain, je suis con, je l'avais pas vu celui-là. Serrure accrochée. Merde. Merde, merde. Merde, merde, merde. C'est pas grave. De toute façon, il les verra pas. Au travail. Venez là, les enfants. Tous. On se planque. Ouais. Rapide, c'est ça? Oh putain, ouais, ça va barder, ouais, tu l'as dit. En avant. Merde. C'est quoi le topo? On bouge plus. Non. Non, ne va pas. Ah putain. Je peux pas l'assommer. Si, je peux l'étourdir. On bouge plus. Allez, on découdre. Ah putain, ils répliquent tous. Ah, sa mère. Lui, il va où? Oui. Oh là là, j'ai trop merdé. Oh merde. Putain, il refuse. Refuse, refuse, refuse. Refuse, refuse, tu vas te planquer. Refuse, faut que tu te planques. Non. Hey, ça va? Hey, putain.
Ah non, mais là, 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 je pue du cul, quoi. Oh, chier. Ah non, là, 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 ça craint. Ça craint du boudin. Rufus, il se fait baiser. Il le voit pas. Hey, ça va ? Allez, debout ! Attends, c'était le garde de où, ça ? C'est de lui ? Et moi, je dis, on est free et tout, laisse tomber. J'avais pas vu cette putain de saloperie. De... J'espère juste que Rufus, il est. Ouais, bah oui, bah, tu m'étonnes. Il est bien planqué. Qu'il y a. Que c'est pas le tour de. Que le mec, un des deux, va passer. Non, il va là. Je pense que c'est celui qui est ici, normalement. Je suis suspect pour l'instant. Ouais, c'est ça. Lui, il fait son tour aussi. Il devrait partir, il devrait être là. Non, c'est déjà occupé de lui, donc... Ok, c'est bon. Oh, c'était chaud. C'est bon, c'est bon. Ah, je vous jure, je suis dans un état du stress. Maintenant, je vais pas refaire deux fois la même erreur, hein. Ça craint. Alors, le faisceau ne va ni passer sur l'un ni sur l'autre, hein. On est ok. Bah, je suis même con parce que j'aurais dû faire les deux du même côté. Vas-y, refais. Au travail. C'est Bishop, là. Bishop, tu fais chier. Non mais vous voyez comme quoi, il faut vraiment toujours réfléchir à tout. C'est fou. Bah là, il y en a plus que deux. Bah on va les détruire alors. J'ai eu peur, lui j'ai vu qu'il bougeait. Ok. Dernière ligne droite. Ah, j'ai mal aux mains tellement je suis crispée sur ma souris. Bon, je suis désolée, hein, du coup c'est un peu long. Et encore je trouve que... Que je m'en sors plutôt bien au niveau de la durée, de la longueur du truc. Donc Rufus, tu vas être obligé de le... Voilà. C'est quoi le topo ? Toi, tu vas venir. Je suis là. Voilà. Non, on a récupéré des sous. Normalement c'est bon. Oh, les portes sont ouvertes. C'est free là. On est bien. On est bien les enfants, on est bien. On va finir le niveau. C'est quoi ça? Ah ouais, il faut aller là avant. On n'a pas fini. Là il y a un petit pied de biche. Ok, bon, on va y aller tranquillement. Tranquillou bilou. Bishop Shop. Tu sais, toi, t'es un petit bâtard, hein. Tu vas venir là. Comme ça, on est sûr. Et maintenant. Tu viens là. Vous allez
voir comme je suis souple. Pourquoi ça... ça reste en... Ouais, bon, je sais pas. Viens dès là, mes enfants. C'est OP, hein, y a pas d'autre barrière, hein. Oh, mais franchement. Celui va se réveiller. Alors, on va aller là. Je sais pas pourquoi ça reste, ça. Ok, bah tu vas venir... Ah, il y a une clé. Clé de coffre-fort. Ouais, c'est pas hyper utile en soi. Oui. Toi, tu vas ouvrir. En avant. En avant, Guingamp. Tranquillement. Ouais, il va, mais il va pas venir jusque là où on est. Ça y est, on peut sortir les enfants. Tiens, tu vas t'occuper de cette porte là. Oui. Mais non, je suis contente moi. Ah ouais, on va réussir. Ah, c'est chaud. Hein. C'est quoi le topo? Topo, c'est que tu vas activer ça. Là c'est de la baise. Là c'est de la baise. C'est... ça y est, on a fini quoi. C'est quoi ce truc? Je veux... je sais même plus ce que c'est ça. Un objet étrange. Ah c'est ça, c'est le robot. D'accord. J'y crois pas. Un robot. Ah la vache. Si je suis encore déçu, ce truc a l'air de vouloir nous coller les trains. Alors, facultatif, nombre de trésors trouvés, 5 sur 9. Ah bah y'en a un là, Bishop. Ça en fait 6. Y'a quoi d'autre? Y'a rien. Ici, ça sert à rien d'ouvrir. Par voir les trucs de cul. À la limite, est-ce que tu veux ouvrir ça? Et là, on a fini, quoi. J'ai fini la partie. Fini la partie. Salut. Vas-y, va là. Elle va peut-être faire une réflexion en fait, non? Bon, non. En fait, en même temps, ça peut être une planque, mais comme il n'y a personne qui vient. Allez, les enfants, on a fini la partie! Youhou! Wouhouhou! Franchement, c'était compliqué. Et à un moment donné, j'ai cru que j'allais pas m'en sortir quand il y a eu les faisceaux là dans le labyrinthe. Mais. Pff, bon, on peut rajouter un petit malus en plus et quelques minutes en plus parce que vu que j'ai dû recommencer le truc. Voilà, je suis pas suspect, je devrais être un peu plus genre visible ou un truc comme ça. Argent volé. Ouais, bah ouais, on n'a pas pu tout prendre. Les gros coffres forts là, on n'a pas pu, hein. Et ben voilà! On est riche! 58 900! Et un score de Crooks, bien. Force brute pour Rufus, ça y est, enfin! Semelle en caoutchouc! Ah, d'accord, le bloc porte. D'accord, je sais pas trop, mais ok. Destructeur de capteurs. Amélioration du type. Sport de voleur. Nouveau challenge! Ah oui, parce que j'ai vu qu'il y avait des challenges apparemment dispo. Mais on va voir ça. Alors, le petit débrief. T'as rendu la monnaie de sa pièce à Murray? Attendez, dites-moi que j'ai mal entendu.
Rufus. Oh. Oh, la boulette. Tu avais une relation avec Murray? Ah, c'était Murray! Ouais, c'est quelques nuits ensemble, c'est pas une relation. Lobkowitz, t'as entendu ça? Oui, oui. Quelques nuits avec Murray. Tu veux bien lâcher ce robot 2 minutes? Si on veut s'en servir, il faut me laisser le temps de l'étudier en paix. J'ai 30 cartes perforées à analyser, Cléo. J'en reviens pas. 1 minute, Rocket. Ça veut dire que le piston Rutherford que tu as embarqué est couvert d'empreintes appartenant à Murray? C'est bien pour ça que je l'ai pris. Ces empreintes ont signé l'arrêt de mort. Bah oui. Pour lui faire un sale coup. Faire, c'est de l'oublier pendant notre... Voilà. Kennedy Double Twist. Pas mal. Pas mal. Et je peux savoir où vous voulez qu'on le laisse? À Fort Knox? Au Pentagone? Pourquoi pas à la réserve fédérale? Ah bah oui. C'est eux les vrais escrocs. J'ai toujours eu envie de me les faire. En tout cas, il faudra agir avant que Murray ne découvre la disparition de son robot. Vous comptez faire comment, au juste? Leur système de sécurité est équipé d'alimentation redondante. Et le coffre principal vient d'être équipé de barres de sécurité en alliage d'osmium. Pas facile, mais pas impossible. Ce serait un coup qui rentrerait dans les annales. Et surtout, on se débarrasserait définitivement de Murray. Un casse à la réserve fédérale, c'est un crime capital. Allez, Cléo, on va bien se marrer. Vous yoyotez tous de la cafetière. Vous yoyotez de la cafetière. On va à la réserve fédérale? C'est une blague. Ah, ah, il y a le choix. On a le choix de rêve en boîte. Difficulté du casse de votre prochain gros coup. Il vous faut des plans du coffre principal de la réserve fédérale. Qui est kid mieux que son créateur pour nous aider? Nouveau voleur robomatique? Mais non, on aura le robot avec nous? Compétence robomatique? Mais non, mais c'est ouf. Alors attends, et Blackout, c'est centrale atomique de Devil's Den. Vous allez installer un relais radiocommandé dans la centrale atomique de Devil's Den. Hey, nous pourrons ainsi couper le courant de la réserve fédérale pile au bon moment pour notre prochain gros coup. Ok. On va vraiment aller à la réserve fédérale, donc à mon avis ça va être ici, ça va être le dernier de la ligne bleue. Mais difficulté du casse 3 quand même. Bon bah ce sera pour la semaine prochaine où je vous ferai le rêve en boîte. On verra. Récompense 17 000 quand même. Allez! Ça c'est bon. En tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez toujours pas à laisser un message sur cette vidéo pour voir si, pour me dire si le jeu vous plaît. Si j'aurais pu faire mieux sûrement, hein, mais voilà, qui sait. Avec le peu que de cerveau que j'ai, je fais ce que je peux. En tout cas je vous embrasse très fort et je vous dis donc à très bientôt pour la suite de Crooks ou d'autres choses. Allez salut.